je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. La journée a démarré de façon un peu compliquée. La porte du commun des garages ne s'ouvrait pas. Il y a eu des soucis à peu près toute la semaine. On est passé un peu entre les gouttes avec Quentin. C'est-à-dire que soit on partait avant les problèmes, soit on partait après. Soit les voitures étaient stationnées dehors, donc ça allait, et ce matin, rien à faire. Et la procédure d'urgence, puisque bien sûr il y en a une sur une porte à commande électrique, ne fonctionnait pas. En tout cas, on n'a pas compris. Donc, partie vite en bus au départ, je pensais, pour déposer Inès à l'école. Et finalement, le bus passait trop tard, donc on est parti à pied, mais on est arrivé à l'heure à l'école. Ce qui est un miracle au vu de la façon dont cette journée a démarré. Bref, et Quentin, du coup, est en télétravail à la maison. Parce que voilà, impossible de débloquer la porte, j'ai appelé le SAV et ils vont passer dans la journée, mais je ne sais pas quand. Bref, voilà comment la journée a démarré. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la reprise du yoga. Je suis trop contente, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis j'ai une soirée ce soir, si d'ici là j'arrive à sortir ma voiture de mon garage, donc affaire à suivre. Sinon, je m'arrangerai pour covoiturer avec quelqu'un, enfin bref, je vous raconterai tout ça. Je commence ce vlog avec ma routine de soins du moment. Cette portion de la vidéo est en collaboration avec la marque Sanoflore et je vais vous parler de leur gamme merveilleuse, qui est une gamme qui est très populaire dans la marque Sanoflore. J'ai fait mes petites recherches, je vous en ai parlé pour la première fois en 2018. C'est une gamme que j'aime beaucoup, mais que je ne connaissais pas en profondeur. Je connaissais uniquement un produit et en fait la gamme s'est étoffée depuis. Il y a plein de références dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc Sanoflore, une marque française 100% fabriquée en France. Je connais bien la marque, je suis allée en voyage presse avec eux il y a un an maintenant, je crois, à la rencontre des producteurs de la marque, des équipes marketing, mais également des équipes qui travaillent en laboratoire sur les formulations, les parfums, les textures, etc. Donc c'est une marque que je connais très bien, qui a de très belles valeurs et je suis ravie de pouvoir vous en parler aujourd'hui. La gamme merveilleuse, c'est une gamme qui a une visée anti-âge. Vous allez voir que... Alors j'allais dire, je l'utilise pas pour ça, j'ai pas la prétention de dire que je ne fais pas mon âge, mais elle a des vertus qui peuvent s'adapter aussi à d'autres problèmes de peau. Deux actifs phares, le pélargonium qui mime l'action du rétinol et la mélisse, donc pélargonium et mélisse qui sont bio, la mélisse qui mime l'action de la vitamine C. Donc c'est une gamme qui est vraiment riche en actifs anti-âge, mais pas que, puisque donc la vitamine C est très utile notamment pour l'éclat de la peau, le rétinol peut aider pour la texture de la peau, donc... Voilà, c'est pas qu'une gamme anti-âge, mais c'est vrai qu'à la base, elle est faite pour ça. Alors, le produit dont je vous avais parlé en 2018, c'est le masque de nuit merveilleux, qui est un produit incroyable, une sorte de baume très épais que vous pouvez utiliser soit comme crème de nuit, soit vraiment comme masque si vous l'appliquez en couche plus généreuse. Et moi, ce matin, je vais vous montrer les deux produits que j'utilise. Donc, le matin, les autres, je les trouve plus adaptés pour le soir. Tout d'abord, le sérum absolu merveilleux, qui est incroyable en termes de texture. Je vais vous montrer ça. Il a une texture lactée. Très fluide et un effet vraiment hyper frais sur le visage. Vous allez voir qu'il disparaît en fait en quelques secondes. Il fusionne avec la peau. Bon, en termes de sensorialité, Sanoflore, ils se sont toujours très bien débrouillés de ce côté-là. Donc moi, j'ai un vrai plaisir quand j'utilise les produits de cette marque. Voilà, je vous mens pas, mais le sérum, il est complètement invisible. Donc si vous avez des soucis avec tous les produits trop épais, trop riches, etc., ce sérum, pour moi, il conviendra à tout le monde, il est vraiment parfait. Le matin, j'enchaîne avec la crème merveilleuse qui a vraiment une texture de crème, une crème assez fluide, mais voilà, une crème assez conventionnelle. Et donc ça, ce sont les deux produits dont je me sers le matin. Les autres étant, alors, soit plus adaptés au moment du coucher, soit avec des textures que je trouve peut-être un peu trop riches et que je vous conseille donc davantage le soir. Je reprends mes petites notes pour vous dire que vous avez, avec le code SANOMARIEL20, que je vous mets sur l'écran, je vous mets sous la vidéo, vous avez moins 20% des 50 euros d'achat à valoir sur tout le site Sanoflore hors routine. Et ce code est valable du 23 au 29 septembre, donc pas très longtemps, donc ne le loupez pas si vous voulez. Alors soit faire un restock dans vos produits, peut-être que vous utilisez d'autres gammes dans la marque Sanoflore, soit pour tester celle-ci. Voilà, j'espère que ça vous plaît et merci beaucoup à la marque pour sa confiance. Je comptais enchaîner avec mon maquillage, mais en fait, comme beaucoup de femmes sur cette planète, j'ai un planning de lavage de cheveux. Je me lave les cheveux tous les 3 jours, mais ce soir je ne suis pas chez moi, je sors. Et ça m'arrange pas de me laver les cheveux demain matin. Et en même temps je vais au yoga ce midi.
Donc je me demande si je me maquille pas, je vais au yoga. Quand j'entre au yoga, bien sûr, je prends ma douche, mais du coup, j'en profite pour me laver les cheveux. Et je me maquille derrière. Est-ce que je suis la seule à me faire des plannings de ministre juste pour me laver les cheveux? Rassurez-moi. Je profite de ce vlog pour les Vintedophiles, les fans de Vinted. J'ai vidé mes placards et ceux d'Inès aussi. Hein, vous vous doutez bien que je ne porte pas cette jupe qui fait 10 cm de haut. Donc ça se passe sur mon Vinted. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. À l'heure où le vlog sera posté, je sais pas ce qui restera, mais je vais essayer de remettre des trucs progressivement parce que j'ai encore du tri à faire. J'ai honte de vous montrer, mais voilà, les pulls s'effondrent là parce que vraiment il y a trop de trucs. J'arrive même plus à les plier convenablement. Vous voyez, ça tombe à moitié ici, donc ça, il faut vraiment que je trie. J'ai fait du tri dans les t-shirts manches courtes, dans les t-shirts manches longues, donc ça déjà, ça a pas fait de mal. J'ai fait du tri dans la partie penderie aussi. C'était très serré ici. Et là, il y a un peu plus de place. Donc là, on n'est pas trop mal. J'ai trié tout ce qui est pyjama, vêtements d'intérieur, tenue de sport aussi. Mais j'ai encore un peu de boulot. Alors, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire la promotion de cette vidéo parce que vous voyez que c'est encore un peu le bazar. Mais j'ai fait par le passé des vidéos, une ou deux, sur l'organisation de mon dressing. Donc je vous les mettrai sur l'écran. Je suis pas la meilleure pour donner des leçons aujourd'hui parce que comme vous voyez, j'ai encore du boulot. Mais si ça peut vous aider, j'en suis ravie. Bon, à nouveau, interdit de se moquer de mes chaussettes. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté par erreur au drive. J'aime bien le sucre de canne pour mon café. Mais je mets toujours un demi-sucre dans mon café. Et en fait, j'ai pris des morceaux sécables, j'avais pas vu. Et au drive, je fais souvent la connerie. Donc voilà mon activité du matin. Casser tous les petits sucres. Je sais pas, au drive, je vois sucre de canne, je mets dans le panier, je réfléchis pas. Et je regarde pas cette petite subtilité. Puis j'ai pas envie de les mettre entiers et de casser tous les matins un sucre. Donc je vais m'y mettre une bonne fois pour toutes. Ça va me prendre 5 minutes. Et je vais tout stocker ici. Ces petites boîtes en plastique sont de la marque OXO, faut croire. Avec un bouchon pour les rendre hermétiques. J'en ai 4 ou 5. Je stocke la farine, le sucre, certaines céréales aussi que j'ai pas envie de laisser à l'air libre pour éviter les mythes alimentaires, etc. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. C'est un petit investissement, hein. Ça coûte pas extrêmement cher, mais une fois que vous les avez, c'est parti pour la vie. Et elles sont vraiment, vraiment géniales. Voilà! Bonne chose de faite. Me voilà prête pour partir à mon cours de yoga. C'est la reprise aujourd'hui. Les cours se sont arrêtés quasiment tout l'été. Je crois que j'ai quand même réussi à faire un ou deux cours en plein air au mois de juillet. Sur le week-end, comme ça Inès pouvait rester avec Quentin. J'ai mis mon legging, mon pull que je vais faire tomber pendant le cours pour rester en débardeur. Et je suis contente de reprendre pour l'effet sur le mental, pour l'effet sur le physique aussi, et ça va me faire du bien. J'ai trop hâte de repartir sur le tapis, tapis qui est ici. C'est toujours celui de chez Baya. Je vous en avais parlé dans un vlog. Est-ce qu'on arrive à voir le logo quelque part? Non, j'ai pas dû l'enrouler dans le bon sens, mais j'en suis très contente. Je me souviens plus de la référence, il y a beaucoup beaucoup de choix chez Baya pour les tapis. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo, mais je l'aime beaucoup. Il est bien antidérapant. J'ai pris un modèle un peu épais. Je ne sais pas combien de millimètres il fait, peut-être 4 ou 5, mais pour mes genoux sensibles, c'est bien. J'ai ma petite gourde et voilà. Et ce sac, vous me demandez souvent, c'est un sac de la marque Rive Droite qui avait été fait en collaboration avec Lily Barberi. Qui est donc assez grand pour contenir un tapis, puis vous pouvez mettre des affaires. Alors bon, moi j'ai pas grand chose à part ma gourde et puis mes clés, mais si vous faites du sport et que vous avez une tenue, que vous devez vous changer, etc., que vous prenez une douche peut-être là où vous faites du sport, ça peut être pratique. Je sais pas s'il existe encore, je me demande si c'était pas une édition limitée. J'essaierai de vous retrouver ça. Bonjour. Oui, coucou. Ce cours de yoga était incroyable, ça m'a fait le plus grand bien. Je suis en train de mettre mes petits soins dans les cheveux. Cette douche m'a fait un bien fou aussi. Donc j'ai bien fait d'articuler ça comme ça. Surtout que moi, les douches où je me lave les cheveux, c'est-à-dire un moment du coup, c'est vraiment un truc complètement méditatif. J'ai l'impression que j'ai du temps pour réfléchir à tous mes projets, tous mes trucs. Alors là, ouais, j'étais vraiment. Je me souviens même pas de l'ordre dans lequel j'ai appliqué mes produits. J'étais complètement dans mes pensées. Et finalement j'ai enfilé ma tenue que je porterai ce soir à la soirée à laquelle je vais. Parce que je voulais mettre autre chose et je me suis dit ça va quand même faire du coup 4 tenues en une journée.
Et bon bah ça va quoi. je pense que 3 c'est bien assez. Sachant que si je porte un vêtement que quelques heures et que donc le vêtement est objectivement propre, et ben j'arrive pas à le ranger dans mon placard. Dans mon placard j'ai vraiment que des vêtements 100% propres. Je vais peut-être juste pré-sécher mes cheveux et faire un chignon bas. Je pense que je vais faire ça, sinon je fais un chignon haut, mais ça sera un peu comme d'habitude. Je vais voir ce que je fais. Et donc ce soir c'est le pot de départ d'une de mes anciennes collègues. Donc moi ça fait un peu plus d'un an du coup que je suis plus infirmière, donc ça m'a vraiment touchée qu'elle m'invite à son pot de départ. Et on a travaillé 8 ans ensemble, donc voilà, c'est plus qu'une collègue. Donc je pars ce soir sur les coups de 18h30, j'arrêterai le vlog à ce moment-là parce que je vais pas filmer là-bas, mais j'ai l'impression qu'elle a préparé un truc en grande pompe. Et je sais que c'est quelqu'un qui adore le maquillage. Je lui ai donné souvent des produits que je recevais parce que je sais qu'elle est très coquette. Donc je lui ai fait un beau cadeau, on s'est mis à plusieurs dessus. Bon, faut pas spécialement être sur son 31 ce soir, mais j'avais envie d'être bien habillée, je vous montrerai ma tenue juste après. Et en bijoux, je vais porter ce collier que Quentin m'a offert, si j'arrive à le démêler pour vous le montrer correctement. Le seul problème, c'est que vu que c'est un collier avec plus ou moins 3 rangs, c'est difficile de le stocker sans l'emmêler. Je le démêle et je vous montre tout de suite. Le voilà, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est un collier de la marque APM Monaco que Quentin m'a offert. Sans raison, dans le sens où il n'y avait pas un anniversaire, une fête, Noël ou autre. C'est un cadeau qui m'a fait super plaisir. Et alors c'est un collier qui se suffit à lui-même. Déjà qu'il y a des très 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 belles finitions. Je crois que c'est mon premier bijou de la marque. Ou alors je me souviens pas, mais je crois que c'est le premier. Et il a une chaîne qui est réglable, mais avec une sorte de système de petites tirettes derrière. Enfin, c'est hyper bien fait. Il est délicat tout en étant quand même... bon voilà, imposant hein. Je vais pas porter d'autres bijoux ce soir, enfin à part mes bagues habituelles, mais pas de boucle d'oreille, pas de bracelet ni rien. En coloris or jaune avec donc des petits zirconiums ici. Là aussi une chaîne perlée qui tombe un petit peu sur un décolleté que je n'ai pas, ça doit être joli aussi. Et puis on peut vraiment le porter beaucoup plus long ou nettement plus court si vraiment vous voulez le faire, si vous voulez que le petit diams ici... il arrive en ras du cou. Je le porte pas tous les jours parce que du coup voilà, c'est une pièce assez forte. De là où vous êtes, je pense que vous voyez pas grand chose. Puis j'ai peut-être pas le haut qui me met le plus en valeur parce que c'est rayé, mais voilà, c'est quand même assez imposant. Pff, là on voit quasiment plus rien, mais croyez-moi sur parole, il est hyper élégant. Je l'adore. C'est pas humain d'avoir un pantalon aussi froissé. Bon, je vais voir, comment il évolue. Dans la soirée, mais je peux pas sortir comme ça. Enfin, je peux sortir aller chercher ma fille à l'école dans 30 minutes, mais à une soirée, ça fait quand même un peu tâche. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà donc pour le look de la soirée. Bon, il n'y a pas de dress code, hein, c'est un pot de départ, mais j'avais quand même envie d'être élégante. Puis je sais que ma collègue est très coquette, féminine, donc elle appréciera l'effort aussi. Des petits hauts. Hein, voilà, je vais pas vous faire un dessin non plus. Je porte quasi que cette marque parce que j'adore ce qu'ils font. Collection de... Quand est-ce que je suis allée chercher ça en boutique? Peut-être un tout petit peu avant l'été. Je ne sais pas du tout si ces pièces se vendent encore. J'essaierai de vous trouver un lien si c'est le cas. Le pantalon, c'est de la crêpe de soie. C'est hyper fluide. Je peux manger tout ce que je veux ce soir. C'est tout extensible. Il est vraiment parfait ce pantalon. Je crois qu'il existait dans d'autres couleurs. Si je le retrouve dans d'autres couleurs, je l'achèterai. Genre un bleu marine, ça me plairait bien aussi. La petite marinière, voilà, parfaite. Le pantalon taille 2, je crois, et la marinière taille 1, parce qu'elle était un peu oversize et je la voulais pas trop ample. C'est très très rare que je prenne de la taille 1 chez des petits hauts, c'est vraiment quand les vêtements sont taillés un peu oversize. Voilà mon petit chignon, mon joli collier, et puis les chaussures, je sais pas encore. J'ai des petites ballerines dorées, je vais peut-être mettre ça, mais j'ai pas encore décidé. Et j'emmène un gilet aussi, que j'essaye péniblement de défroisser également. C'est un des petits hauts aussi, également en taille 1, parce que pareil, il a une coupe assez ample. Voilà, c'est mignon avec cette tenue, je pense qu'en fin de soirée on aura un petit peu frais. Je suis désolée, du coup il y a 90% de ce vlog qui se passe dans mon appart et en plus dans une moitié de l'appart puisque Quentin travaille depuis le salon et je veux pas aller le déranger. J'ai finalisé un montage audio pour mon podcast, j'avais fait 90% du travail hier. Puis après il faut faire les miniatures, importer le fichier, préparer la description de l'épisode.
Voilà, plein de petits détails techniques. Donc ça c'est fait. Je me suis racheté aussi un... Est-ce que le fil va être assez long? Ouais, un disque dur externe. Ce sont ceux de la marque Lassie. Je sais pas comment on prononce ça. Pas Lassie, chien fidèle, hein. Lassie, L-A-C-I-E. C'est mon troisième disque dur externe de cette marque-là. Les autres sont complètement décolorés. Je suis en train de voir, lui, il est orange fluo, les autres sont orange pâle. Parce que je stocke toutes les vidéos YouTube que je poste, je les garde sur un disque dur externe au cas où... Au cas où YouTube disparaisse, ce qui est peu probable, mais bon bref, tous mes contenus sont sur un disque dur externe. Et le dernier faisait 2 Go et il est plein, donc j'ai acheté un 4 Tera, je crois. Et je ne sais plus combien il y a de 2 Go dans un Tera, mais bon bref, je vais pouvoir faire des vidéos pendant encore un paquet de temps. Autant je suis hyper calée en conversion, genre milligrammes, millilitres, etc. Autant les conversions de Tera, de Giga, de Octet, tout ça, je n'y connais rien. Donc bref, j'ai beaucoup de place. J'en ai profité du coup pour faire tous mes transferts d'un disque dur à l'autre. Et puis moi, je suis un peu une phobique de la sauvegarde, donc j'ai... tout sur un drive, ensuite j'ai un disque dur externe avec toutes mes photos que j'ai trop peur de perdre, ensuite j'ai un disque dur externe qui est connecté à Time Machine, qui est le programme de récupération de données d'Apple, je vous synthétise le truc. Donc là j'en suis à 3 disques durs externes, on est pas mal. Et je me suis pris un petit délire, je suis allée sur, j'ai tapé sur Google, partition piano débutant. Donc vous avez vu ça dans le dernier vlog je crois. Les cours de piano continuent, j'en ai pris 2 jusqu'à aujourd'hui, ça se passe bien, je fais des progrès, donc ça c'est très très satisfaisant. J'ai investi dans un piano aussi, je voulais attendre Noël pour voir si c'était pas juste une passade, etc. La réalité des choses c'est que sans piano à la maison je ne peux pas progresser avec 45 minutes de cours toutes les semaines. Donc j'ai trouvé un super bon plan sur le bon coin, un piano avec un prix qui défie toute concurrence de quelqu'un qui le vendait, le truc est en parfait état. Incroyable. Si vous avez des questions sur les modèles de piano, je vous ai fait une story épinglée à la une sur Instagram qui s'appelle Piano, tout simplement, avec toutes les références, tous les conseils qu'on avait pu me donner. Bref, j'ai une méthode d'apprentissage pour le piano, mais j'ai quand même des objectifs de morceaux d'air que je voudrais pouvoir jouer un jour. Ces deux objectifs étant Gymnopédie de Erik Satie. Autant vous dire que je suis pas prête à jouer ça. Alors les grands musiciens se diront mais c'est très facile. Oui mais ça, les tierces comme ça, moi j'ai jamais fait ça avec la main gauche, donc écoutez, il y a du travail. C'est un air de piano, je crois que c'est mon air de piano préféré, avec quelques airs de Chopin aussi. Et bien sûr la valse d'Amélie Poulain. Donc je ne suis pas du tout à ce niveau là, vraiment là je vois le nombre de noirs et tout, en plus la vitesse à laquelle on joue, je ne suis absolument pas prête à jouer quelque chose comme ça. Mais dans la vie, il faut savoir se fixer des objectifs et en voici un, en voici même 2 à faire à suivre. Écoutez, quand je saurai jouer ça, vous serez les premiers avertis, je vous le promets. Je suis en route, j'ai repassé mon pantalon. Et voilà, je suis dans ma voiture, prête pour ma soirée. Je vais finir le vlog ici, je vais chercher ma copine chez elle parce qu'on y va toutes les deux. Je me suis fait 1 demi-litre de thé parce que dans ce genre de soirée, je sais que je bois jamais assez d'eau. Je bois jamais assez d'eau et je peux boire du thé jour et nuit. La théine n'a pas d'effet sur moi. Donc je vais boire ça, je vais siroter ça sur le chemin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, la radio chute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.